Les indicateurs de temps. Leçon numéro 3. Quand la phrase est au futur, elle raconte ce qui se passe demain, après-demain, le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain, lundi prochain, l'année prochaine. Par exemple, le mois prochain, on plantera les pommiers. Demain, elles décoreront le salon. Mardi prochain, nous irons au cinéma.